Et bonjour, épisode 4. Bonjour Nathan. Tiens, oui bonjour. Tiens, est-ce que fais tu la peux fusion. me... Ouais, il me manque juste un micro niveau en fait donc. Micro niveau. T'as essayé d'inverser les trucs? Oh oui, non, c'est bon. Hop, tiens. Hop, comme ça on a tous un power 2. Comme ça on est Il me manquera juste des flèches du coup. Ouais, ben alors mettez tous vos flèches dans le coffre. On dispatch. Ouais, comme ça on dispatch. Ce qui est des tout le monde fers, a mis lapis et tout, on laisse ici ou... Oh, attends, mets tes flèches dans le coffre. On voit ouais. Après. Hop. Alors, ce que je vais faire ça. Hop, je vais faire ça. Hop, hop, hop. Voilà, on a tous 29 flèches. Allez-y, vous pouvez prendre vos 29 flèches. Yeah. J'avais dit une merci. Trentaine. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Donc, ce qui est des ressources. Pour ce qui est des ressources, ben on peut laisser des trucs. Tu gardes du lapis parce qu'on aura besoin peut-être de faire des enchants lapis là-bas. J'ai... Mais parce que est-ce qu'on va revenir à ce portail là aussi seul? J'en sais rien. Non, ah, mais, non. Là, tu poses tes merdes en fait. C'est-à-dire l'andésite, tout ça. Ouais, ouais, je vois. On s'en fout. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un chaudron. Ouais. Pour l'eau. On pourra se faire. Non, surtout qu'on pourra se faire des popos direct là-bas. Ouais, ouais, pour. Je me comprenais. Ouais. Ah, vous avez pris le sable ou pas? J'en ai 6. C'est bon, j'ai les 9 verres. Est-ce que t'as mis l'eau dedans? Dans quoi? Dans les verres. Je mets directement d'ici, non? Bah, en fait, parce ça va prendre vachement prendre place. De place en ouais, fait, ouais, sur le truc. C'est pour ça que je prends le chaudron en fait. Et il faut que chacun ouais, ait un seau d'eau. J'ai un seau d'eau, moi. Voilà. J'en ai un aussi. Là, il y avait de la lave quelque part? Oui, tu vas là sur la droite ici, tu vas au bout à peu près. Okay. Niveau bout, vous êtes comment? Moi c'est bon, j'en ai pas mal, j'ai 23. Moi aussi j'en ai pas mal. Moi j'en ai 8. Ouais bah c'est bon, on se partagera, de toute façon j'ai d'autres trucs dans l'inventaire. Ok. Oula. Il freeze. Ok. Tout, je vais juste bien réorganiser mon inventaire et puis je suis bon. Tac. C'est important l'inventaire. Bon, si on voit du monde, on tire un peu à l'arc, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Comme ça, on temporise à 3 et on voit ce qu'on fait. De toute façon, si on voit du monde, on fonce les 3 dessus. Mais on essaie de pas se mettre des coups parce que Natek et moi, on a des Fire Aspect. Donc, ah ça oui, va j'avoue. Être grave dans la merde. Mais par contre, dans le Nether, les Fire Aspect, c'est ultra important. Parce que si on tape quelqu'un avec. Ouais, après, on se barre et on shoot. Hein. Bah c'est ça. En fait, coup, il peut pas se mettre de l'eau. Donc on est vraiment. Donc on recule et on shoot un peu. C'est ça. Tu peux prendre la table d'enchant. L'enclume, Natek. Ouais, comme ouais. Ça on partage. Moi j'ai la table d'enchant, toi t'as l'enclume. Pas de soucis. Je vais reprendre juste de four. Je vais prendre ça. J'ai encore une sharpness 1 si quelqu'un voulait fusionner. Ah, moi je veux bien. Ah bah alors attends. Je le ferai dans le Nether. Non, je le ferai dans le Nether avec l'XP du quartz parce que j'aurais pas assez là. Mais je le veux bien tout de suite. Merci. Hop. Allez, vous êtes ready. Ouais, okay. Par contre, quelqu'un prend les coordonnées parce que moi je. Les coordonnées de celui-là de portail? Non, non, de l'autre. Du ouais. Nether. On fait juste, on arrive, on sneak et après on voit. Voilà. Bon, allez, bah bon courage. On passe tous en même temps du coup. Ouais. Allez, ouais. Bonne vous merde. Êtes prêts, on y va. J'en ai besoin moi. Moi aussi. J'ai qu'une sharpness 4. Oui bah moi j'ai qu'une sharpness 3. 3, moins 3, moins 3. Par contre j'ai un P4 Infinity. Il fera plus sombre, il y aura plus de slime ball. Bon, oui. Ouais, comme ça je pourrais faire une laisse. Ce serait trop marrant que tu puisses attacher un joueur avec une laisse. D'ailleurs, tu la donnes. Je la garderai pas. Bon, j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il y a de plus worse. Hein. La slime ball, non, pas du tout. Non, je parle de. Des levels. Attends. Je ne prends aucun level. Eh les mecs, soyez jaloux de mon swag. Vous savez pourquoi? Attends, C'est bon. On prend les coordonnées par contre. Non, ils sont dans l'overworld. Non. Pas de soucis. Si non, c'est bon. Ah, vous nous avez fait peur. On a cru que vous étiez là. Ouais. Je suis dans le Nether, moi. C'est mytho. Juste... Eh bonjour. Vous êtes dans l'overworld, vous? Oui. Oui. Salut. Putain, on croise tout le monde dans l'overworld.
monte, Inti? Ouais, on va monter. J'ai vu qu'il y avait des blazes là-haut. C'est-à-dire qu'ils sont aux mêmes coordonnées, mais dans le monde normal. Ou peut-être pas, en fait. Parce que regarde là, dans la tour à droite, il y a un truc de cobble, de dirt. Ouais, mais attends, on va aller là. Est-ce que vous avez pris les coordonnées ou pas du tout, pour savoir? Ouais, c'est -3, -3, 40. Quasiment 0-0, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quasiment 0-0. Ah, c'est pas mal par ici. Vraiment sympa. Ouais, c'est torché. Alors, attends. Par contre, faut qu'on reste groupé, hein. Ouais, vous êtes tout remonter. Ouais, remonter, là où il y a des blazes, je pense que c'est assez sécure. Juste deux, c'est suffisant, hein. Après, on se barre. Oui, mais attention. Faites bien attention à pas mourir. J'en ai une super, déjà. Super, t'as une blaze rod. Ouais. Après, ce qu'il nous faut, c'est des nether wart. Hein. Ouais, mais sur la droite là, faut safe la zone un peu. Attends, ouais, attends, je vais shooter à l'arc. Ok. Il a drop ou pas? Je sais pas. Je vais regarder après. Je vais safe un peu par là. Ouais, attention. Ça tire. Hop. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est déjà passée, mais je pense pas que c'était eux du coup. Ah, derrière. Oh, attention! Ouh là là, Sarah! Putain, tu vas mourir ou pas? Bah, je suis. Non, c'est bon. Le stress, c'est à son comble. Super. Non, c'est moi qui t'ai tapé en plus. J'en ai deux, c'est bon. T'en as deux? Ouais, on essaye d'en avoir une troisième. D'accord. Ça marche. Essaye d'en avoir une troisième. Moi, je vérifie qu'il y a personne qui arrive. Ouais, voilà, vérifie qu'il y a personne qui arrive. Je vais juste y aller tout seul. Sur le. Ouais, ouais, vas-y, comme ça, on se gênera pas. On se tape pas. Y'a pas de soucis. Juste les verrues et on est bon, et après, peut-être pourquoi pas un ghast ou. Ouais. Ou un slime ball par contre. Mais comment il savait. Pourquoi il parlait de slime aussi? Non, je sais pas pourquoi il parlait de slime, mais ce que j'ai entendu, c'est surtout Pierre lui dire laisse-moi quelques araignées. Et à ce moment-là, je me suis dit ils étaient dans l'overworld. Voilà. Fait. Et moi, après, Lucas qui. Même, ils étaient trop proches pour être. J'ai jamais tué autant de blaze en même temps. T'as encore de la vie? C'est bon? Ouais, j'ai deux blaze rods. C'est bon, on le détruit. On le détruit. C'est-à-dire que personne n'est passé. Ou alors ils l'ont laissé pour les autres. C'est juste qu'ils ont eu peur en fait à cause de la lave en fait qu'il y avait. On va regarder ce qu'il y a là-haut. Ça monte, y a rien là-haut en fait. Y a rien là-haut. Non, ouais. Maintenant on manque juste les verrues. Mais les verrues, ça va être compliqué parce que il a été exploré. Il a été vidé, je pense. Peut-être qu'après ils ont pas fait tout l'ensemble du. Ouais, bien sûr. Du donjon. Hein. Non, il y en a juste en face. On a été mauvaise langue. Ok, on a été très mauvaise langue. On peut peut-être si on. Il y a même des mini. Éviter de nommer l'endroit où on est, peut-être. Ou autrement. J'avoue. Si on croise des gens de l'Overworld. Hop. Venez, on continue par là. Pour ce côté-là. Ouais. Hop. Faut voir s'il est. Sur quoi? Quoi? Il tire sur quoi les blazes là? Ils se tirent entre eux des fois, ça arrive, c'est un bug 1.8. Quand ils se tapent entre eux, en fait, après ils prennent l'aggro sur eux-mêmes. Ok. On reste dans le nether ou on repart là tout de suite? Je regarde juste si. Ouais, non, je pense qu'ils ont fait tous les coffres, hein. Faut pas rêver. Ah, mais ils ont pas pris ce qui était. Ouais, bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. On va pas prendre. Ouais, on est bon là, je pense. Hein. Les popos de régène, tant pis, on fera des pommes d'or. Ou la pomme de notch. Ouais, ouais, donc allez. Parce que là, c'est quand même rare qu'on soit venu jusqu'ici et qu'on ait rencontré personne, quoi. Est-ce que c'est par là? Non, c'est pas par là. Si, peut-être. Si, c'était à gauche là après. Gauche là. Ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, on va revenir tous au même endroit aussi. Si tu voulais repartir, c'était là-bas. Ouais. Hop, donc par contre, on se tait là parce qu'on va se rapprocher. Donc, on passe le portail en même temps, ok? Mais j'espère qu'on va arriver au même endroit surtout. Bah, sinon, on sneak à mort. Ouh, y'a un ghast. Ouais. Est-ce que vous le voyez ou pas? Au-dessus de nous. Attends, je vais remonter. Parce que. En soi, j'aimerais bien se construire. Attention, ils sont juste à côté. Je pensais qu'il était au-dessus. Non, il est pas là. On repart? Ouais. Attends, je regarde juste si. Non, il est pas là. Ok. C'est pas comme ça, Sarah. Mais j'ai trop mal à la gorge. Allez, on repart. Je me fais flipper. On repart discrètement. Oui. Ouais. Parfait. 5 levels. Y'a quelqu'un qui a 5 levels? J'en ai plus que 3. Et 4. Merci. Pour réparer mon épée en fait. Réparer? Ouf.
mon épée sharpness 3, bah elle a pris un. Ok, y'a personne par ici. Hein. Ok. Oh nice, enfin, on va pouvoir se. Mais moi, ça, pour moi, y'a clairement personne parce que sinon. Oui. Sinon, ça serait éclairé, y'aurait pas une mode. Ce serait éclairé, ouais. Pourquoi on nous aurait déjà attaqué. En plus, aussi. On a été TP vachement loin de Fuka et tout. On est à 300 blocs 2. Et comment ça se fait qu'on ait été téléporté ici? Parce que tous les portails. On a créé un nouveau portail. En fait, quand tous les portails sont cassés, il en recrée un dans la zone où il peut potentiellement créer un portail. D'accord. Mais en soi. Dans le chunk de 8. Voilà, c'est ça. Enfin, même beaucoup plus loin en fait. C'est un éclair. Ouais, voilà. Bon, on fait les popos direct là, comme ça on sera. Ouais, on va faire popo direct. On va juste se safeiser un peu. Ouais, descendre un peu. Non, juste. Même pas. Juste on bloque. Merde, on aurait dû ramasser un peu de quartz. Mais non, c'est pas grave. Au pire, on y retournera. Pardon. Plus tard quand on aura les popos. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a les popos de force dans eux, ils auront peut-être juste passe, une pomme de notch au mieux. Une pomme de notch, c'est très compliqué. Surtout qu'il y a que Paul qui en a une après. À moins qu'ils aient caché leurs enchantements. En fait, la pomme de notch, le souci c'est que même si tu brûles le mec, ça. Ouais, ça fait partie des personnes. Ça le ralentit pas en fait. Il va falloir approcher quoi. Ouais. Après, s'il y en a qu'une seule personne qui a la notch. En soi, faudrait avoir une Fire Aspect 2 ou 3, tu vois, pour vraiment faire mal à un mec. En soi, on pourrait faire une Fire Aspect 2. Mais, par contre, j'ai toujours pas d'idée de comment on va attaquer le château parce qu'il le défend super bien à chaque fois. Je dois te dire que j'ai aucune idée. Hop, alors. Je te file mes blaze, Rod. Ouais, vas-y. Je te file les verrues. Super. Bon, les verrues, j'en avais aussi. Garde-en un peu de verrues, on sait jamais, imagine, je meurs. Hop. Ouais. T'as de la redstone pour les allonger? J'ai de la redstone pour les allonger. Sarah, tu veux l'unveil pour pouvoir fusionner tes trucs ou t'as je veux bien essayer, ouais, je vais essayer voir ce que ça donne, c'est gentil. Sinon, tu me dis combien il faut de niveau? Je vous pose à la table d'enchant. Putain, je stresse, tu vois. Moi, c'est toujours après les actions que je stresse. Oui. Ça m'énerve. Bon, bah, en fait, au moment où on est rentré dans le laser, tu vois, au moment où on a commencé à les croiser, les entendre, j'ai fait. Ouais, non. Au-dessus. Et puis, en plus, au début, tu vois, je me suis dit, oh, il y a Pierre, ça va être facile. Et après, je me suis dit, ah merde, il est avec Fuka. T'as entendu la Sharpness 3 qu'il avait quand même? Non, mais attends. C'était pour rire. Non, mais je suis pas sûr, il nous avait pas encore entendu. Il nous avait pas entendu. Hein. Ouais, mais t'as vu ce que Skilly a dit? Il a dit, ouais, moi, j'ai un Power 4 infinite. C'est pas possible. Enfin, j'espère pas. Mais après, on sait où ils sont aussi, non? Ah, ça m'étonnerait pas. Vu comment il l'a dit, il savait pas qu'on était encore là. Donc, c'est possible. Mais vu qu'ils ont pas été dans le Nether, j'ai pas l'impression. Ouais, je sais pas. Ça... Après, on connaît leurs coordonnées là. Là, je sais pas quoi faire du coup. En soi, on connaît leurs coordonnées, mais on sait pas à quelle hauteur ils sont quoi. Ouais. Nous, on s'est un peu fait couiller du coup, parce qu'on va pas pouvoir retourner à notre base, entre guillemets. C'est pas grave, on avait rien laissé d'extraordinaire. Vous aviez pris le fer et tout. Ouais, on avait tout pris. Je me sers juste un verre. Bah même on va en retrouver ici vu qu'on est dans une autre grotte. Vas-y, sers-toi un verre. Oh putain. Et surtout qu'on tient là. Là ça fait plaisir. Ouais, hop, bah pas. D'habitude quand on est dans le Nether. Mais personne n'est mort. Hein. Ouais, personne n'est toutes mort. Les équipes, personne n'est mort, ça c'est rare aussi. Ça c'est rare aussi. Hein. Bah surtout dans un Skydef en fait. Dans un KTP, tu vois, genre, en général les gens enfin tous les gens ont du niveau donc c'est rare que quelqu'un meure au début. Bah ça se prépare quoi au début. C'est ça. Ça se terre, ça va pas chercher alors. Bah disons que voilà, dans un KTP, personne meurt contre l'environnement par exemple. Bah entre-temps, vu que c'est du hardcore, ils font attention quoi. C'est ça. Alors que là, c'est vrai qu'on a moins tendance à faire attention, mais tant mieux. Ouais, enfin, aussi. Ouais, peut-être vous savez ce qu'on a pas pris de la glowstone? Ah merde. Parce qu'on peut faire des popos de niveau 2. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fait des popos de niveau 1 allongés. Et qu'on retourne dans le Nether avec ses popos et on les boit que si on a besoin. Ouais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche la glowstone et dès qu'on a la glowstone, on rentre. Okay. Voilà. Par contre, tu veux attendre le jour 5 ou pas? Comme ça, on sera pas embêté ou on fait ça tout de suite. Ah bah, pour le moment, je fais les potions en fait, donc on s'en fout. Si d'autres équipes attendent le début d'un épisode, tu vois, pour y aller. Vous avez pas de canne à sucre par hasard? Non, on aurait pu faire des potions de vitesse. Ouais. J'ai un Nether Ward. Pourquoi? Si jamais. Donc voilà, donc là on va tous avoir une potion de 8 minutes de force. Ouais, du fer. Donc allez-y, prenez-en une. Ah. Surtout que vous avez une sharpness 2, Fire Aspect 2, c'est ça? Ouais. Moi j'ai une sharpness 3 après. Non, Fire Aspect 1. Ah. Oui, Fire Aspect 1, sharpness 2.
Bon, on fait quoi, on y retourne tout de suite? Je pense qu'il faudrait qu'on y retourne tout de suite, ouais. Bon, on reprend tous les ustensiles, on sait jamais si on vient pas là. Ça. Merde. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de laisser allumer le portail. Ouais, comme ça, vite, on va respawn juste au portail. Putain, c'est pas par là. C'est non, de l'autre c'est l'autre côté. Hop. Donc, ce qu'on fait, c'est vous préparez bien votre potion et vous la buvez uniquement si on voit des gens, enfin, ou quand je dis go. Ou... Enfin, ok. Voilà. Enfin, vous voyez. Et parce qu'on peut encore la mettre en propos de force 2. Là. Ouais, allez, c'est parti. De sneak pour. C'est quoi? Bon, non? Ouais, c'est bon. Hop. On chope ça vite fait et on repart. C'est ça. J'y vais. Du quartz. Attends. Hop. Pardon. Hop. Ah, il y a de l'XP sur la forteresse. Oh, mais il y avait des gens qui étaient venus, on sait ça. Ouais, mais si, est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est pas eux? Je sais pas. J'ai pas vu d'autres portails en plus y a autour. Pas de quartz. C'est sur les hauteurs, mais. On repart direct ou on chope encore des minerais? Moi je pense qu'on repart direct, on verra plus tard. On repart en silence. Ouais, on repart en silence, c'est par où la sortie? C'est par là-bas. Et tout droit là. Ok, let's go. Faites gaffe, y'a des blazes au-dessus. Put. Il a loot. Oh, y'a un magma cube en bas. Super, on va le tuer. Qui ont généré un portail. Arrêtez de faire du bruit là avec vos souris et vos manettes. Ceux qui sont ah, c'est bon hein, on va se calmer là. Non, on se calme pas. Vas-y. Faut le casser vite. Cassez-le vite. Voilà. Cassez-le vite. Parce que là, il voulait passer le portail là. Là, ouais, ils sont pas je encore. Sais, j'ai entendu. Hop, allez, c'est bon, on repasse par là. En fait, c'est Sarah qui bourrine son clavier, non? Non, non, moi, c'était moi, je pense. Moi, j'entendais le clavier de NT. Voilà, bah, c'était le mien. C'est qui a pris la magma crime? Il y a quelqu'un qui a eu la magma crime. C'est moi. Ça va être super, on peut se faire des fire résistance. Ça, c'est bien. Bon, c'est toi qui gère. Hein. Ouais. Je sais plus comment ça se fait une fire résistance. Ouais, elle est au fond des choses. Je vais voir. Ah, ils vont dans le Nether. Ah, il y a deux équipes. Ah, d'accord, tu joues en français. Oh, il y a c'est deux ce équipes, de me dire, c'est aller au fond deux des choses différentes en même temps qui ont été dans le Nether là. On a eu ouais. Deux joueurs, c'est ça. Les deux. On a joué mais à. On a une microseconde. Troisième équipe même. Au moment où ils ont dit qu'ils y allaient, on a fait ouh bordel. Mais tu vois, on a bien fait de pas attendre le prochain épisode. Oui, ouais, parce que c'était obligé qu'ils allaient faire ça. Donc là ils l'ont build et ils vont passer pour la suite je pense. Non là ça veut dire qu'ils sont passés. Ils sont rentrés dedans. Ouais. Non, c'est build portal. C'est l'archi même build de portal donc. Aller au fond des choses pour ah oui, non, oui, c'est au moment où ils mettent le briquet en fait. Ouais. C'est au moment donc, où ils mettent donc, le briquet. À mon avis, ils risquent d'attendre. Ouais, peut-être. Du coup, y'a qui a récupéré une blaze rod? Moi encore une. Bah vas-y, passe, je vais faire un deuxième alambic parce que. On est trop riches, nous. On est des moi, je mine juste histoire de voir si je peux choper des niveaux quelque part. Ouais. Enfin, je pense pas, mais bon. Tu devrais pouvoir. Hein. Bah mine en escalier vers le bas, parce qu'on est assez haut là en fait. Ah merde, on est haut. Ouais. Le truc c'est que ma pioche va bientôt se casser. Je peux peut-être avoir une sharpness 4 en fer. Est-ce que quelqu'un a une table de craft encore? C'est qui a crafté la première pour éviter que mes enchants... Il y en a une là en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ah, je t'en ai reconstruit une. Hop. Pose vers le bas du coup. On est pas mal. Là on peut avoir deux pommes de notch au max. Si on trouve assez d'or. Il nous faudrait de l'or quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en ça. Fait, il faudrait vraiment trouver de l'or. Parce qu'on va passer le jour 5 à chercher fuck. De l'or. Ouais, vas-y, je te laisse descendre. Je pense si qu'on ouais, on passe honnêtement, on passe tout le jour 5 à chercher de l'or. Ce sera pas super sympa pour les viewers, ouais, mais il on faut pas le choix. La victoire juste on a pour pas ça. Le choix. Non, si pas gagne, repassez-moi vos potions de force, que je vous fasse des forces 2. Mais du coup, elles sont de 8 minutes. Je vais chercher la deuxième. Tiens, vas-y, donne-la moi, non, je crois pas qu'elles seront de 8 minutes, mais c'est pas grave. On aura des forces 2 de. Bah après, elle nous empêche de faire une de 8 voilà, minutes et ça. Une de 3 minutes. C'est ça. Bon, par contre, on va devoir se laisser vu qu'il nous reste 20 secondes pour se dire au revoir, les amis. Yep. C'est ça. Du coup, jour 5, on vous a prévu le programme donc voilà, du farmage. Vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passera. Bon. Ça va être cool.
Bah écoutez, allez, bye tout le monde. Bye.